Rien sur les victimes du Grand Ouest ou des Ouais et autres Ivoiriens tombent année par année depuis 2002. Rien sur les populations du Nord, pays laissé à la merci des chefs de guerre de M. Alassane Ouattara. Ils ont ravagé le nord du pays pendant près de 10 ans, tuant, pillant, violant sans cesse. Tout à l'heure, on vous a donné une description qu'en faisait un responsable militaire français. Je me permets de vous rappeler qu'il y a bientôt 13 ans que la CPI est supposée. Juge président. Bonjour madame. Bonjour ma fille. Comment est-ce que vous allez? Nicole, madame Béli Agnès. Et concernant le procès, par rapport à ce procès qui se déroule, quelles sont vos impressions? Bon, moi, mes impressions, je suis en train de louer le Seigneur pour que le président Gbagbo Boudé revienne. Croyons la libération. Je crois la libération. Parce que c'est qu'on est en train de suivre la fête de la réalité. J'ai vécu avec les restants ensemble, ils n'ont rien fait. Et on dit que vous avez été victime de la crise. Vous expliquez un peu ce que vous avez vécu pendant ces dernières années. Oui, j'ai été victime parce que j'étais responsable. Et ma projette à Tamakate où je vivais. Donc, j'étais déjà dénoncé et ils venaient me voir, ils venaient maintenant chez moi les gens pour me faire du mal et attaquer à ma pensée. Et j'ai pris mon petit fils dans le cadre pour être enfin à ramasser balles. J'ai couru jusqu'à la supposition, j'ai fait 8 mois. Ma porte était ouverte. Je ne suis plus jamais venu dans le quartier jusqu'aujourd'hui. Je ne suis plus jamais reparti dans le quartier jusqu'aujourd'hui. 2 mois après, ils ont repéré l'enfant et ils ont enlevé la balle. Comment est-ce que vous vous sentez à la pause de ce procès? Bon, ce procès, il n'y a rien à dire. Quand vous écoutez les avocats, il n'y a rien à dire. Ce qui reste à la CPC de Libo, le président Gbagbo, le plus cher. Pourquoi est-ce si grand attachement au président Laurent Gbagbo? Pourquoi est-ce que vous êtes attaché au président Laurent Gbagbo? Mais on a toujours pris l'heure, tous les gens le savent. Tous les gens le savent pourquoi nous sommes attachés au président Gbagbo. Vous expliquez, vous partez. C'est lui qui est le père du multiplation en Côte d'Ivoire. En son temps, j'étais dans mes 25 ans. Le demain qu'il a mené, je l'ai suivi jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. C'est la raison pour laquelle on sait qu'il est démocrate dans son sang. Croyant sa libération. Pardon? Vous croyant sa libération. Pas, nous n'avons rien à lui reprocher. Tout ce qu'on dit de lui, tout ce qu'on lui reproche là. Est-ce que pensez-vous des avocats qui ont en charge la défense de Laurent Gbagbo et de Blaise Boudé? Vraiment, ils sont super. Je pense qu'à travers leur dire, tout le monde entier saura ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. Ce que les gens cachaient, je pense qu'ils ont tout dit. Mais vous particulièrement, pourquoi est-ce que vous êtes attaché à Laurent Gbagbo? Bon, pour sa condition politique et puis sa vérité. Sinon, ce n'est pas sa personne. En fait, c'est l'idéologie qu'il a. C'est tout. Mais croyez-moi sa libération. Bon, en fait, ce procès-là, si vraiment les gens disent la justice, je pense qu'on peut le libérer parce que tout ce qu'il a fait, il n'a rien fait. C'est un procès politique. Bon, je crois à sa libération. Merci à vous. Ok, merci bien. Et un mot sur ce procès? Oui, je pense que ce procès va nous dire la vérité de ce qui s'est passé depuis que la Côte d'Ivoire est proie à des attaques, à des attaques, à des attaques. Donc, nous regardons, les juges eux-mêmes, ils écoutent, chaque cas envoie des preuves, et j'espère que à la fin du procès, la Côte d'Ivoire sera réconciliée. Vous croyez à la crédibilité de la CPI? Oui. Moi, je suis un justiciable. Je crois à la justice. Elle est lente, mais elle est sûre.
Parce que quand les gens disent que la CPI, la CPI, la CPI, non. C'est l'État ivoirien, disons, c'est Ouattara qui a, le président Ouattara qui a porté plainte contre Gbagbo. Pour dire que Gbagbo était battu dans les élections, ne voulait pas céder le pouvoir et il y a eu des massacres. Donc la CPI a saisi cette plainte-là et puis elle est en train de travailler. Mais la chance dans ce procès est que Gbagbo et son conseil doivent démontrer le contraire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc pour dire que la CPI n'est pas crédible, la CPI c'est une autre juridiction. C'est des intellectuels, c'est des juges hors pair qui constituent la CPI. Donc moi je n'ai aucun doute par rapport à la crédibilité de la CPI. Et que pensez-vous des avocats qui ont charge la défense de Laurent Gbagbo et de Blaise Boudé? Que pensez-vous de leur avocat? Oui, mais ils parlent franchement avec des preuves. Parce que Bensouda elle-même dit qu'il ne faut pas qu'on va parler de crise post-électorale. Et puis elle-même, elle est allée jusqu'à 2000. Donc les avocats de Gbagbo et de Blaise Boudé ont saisi cette perche pour démontrer que effectivement à cette période-là, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Oui, c'est ça. Elle-même a tracé la trajectoire. Parce que si on ne parle pas de crise post-électorale, de 2010 à 2011, et qu'on dit que non, que c'est le sud qui attaque, comment dirais-je, le nord, et que les gens savent très bien ce qui s'est passé à partir du nord et jusqu'au bon, non seulement au sud, mais même à l'ouest. Oui, juste après les élections, Gbagbo a formé son gouvernement et il a dit que on va travailler. Et au moment où on veut travailler, c'est là qu'ils ont lancé l'assaut final. Et puis il y a eu des désordres, il y a eu des morts. Mais les villes qui ont été prises de façon spontanée, moi je suis de l'Ouest, je suis de Saïwa, je suis de la région de Désiré Tagro. Et oui, oui, mais ce n'est pas parce que Désiré Tagro est mort que je parle ainsi, mais les villes, les villages ont été pris par des gens en armes. Hein? Nos parents avaient des petites calibres 12 avec des fusils de chasse, on a tout pris. Et eux, en ce moment, ils sont dans les villages avec les armes. Oui, ils attendent encore une autre occasion pour agir. Donc je pense que les juges, ou plutôt les avocats de la défense, ont des preuves. Et ce qu'ils disent là, ils ne sont pas parents à Gbagbo, mais ils connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo, son honnêteté a fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui le défendent. Oui, il est pauvre, il est indigent. Il n'a pas d'argent pour prendre un avocat, mais Dieu a suscité des avocats pour parler à son nom. Et là même, si moi j'étais à la place de Gbagbo, j'ai dit, bon, écoute, moi je n'ai plus rien à dire, la cour n'a qu'à apprécier. C'est ce que je voulais dire, ma fille. Oui. Merci à vous. De rien. Ok. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Nous ne pouvons pas aller à l'émergence sans que la Côte d'Ivoire ne soit réunifiée. On parle d'union, discipline, travail dans notre emblème. Mais pour qu'il y ait l'union, il faut une réconciliation véritable. La réconciliation, c'est que nos parents qui ont été prisonniers, moi je suis bêté. D'abord, avant même d'être étudiant, syndicaliste, soit libéré pour que la réconciliation soit vraiment fondamentale et nécessaire. Après quoi, on peut passer à notre discipline et puis aller au travail pour qu'on aboutisse à l'émergence. Sans quoi, il y a vraiment des problèmes. Pour vous, la réconciliation passe par la libération de Gbagbo et Blaise. Impératif. Pour nous, c'est un impératif. Sans la libération de ces prisonniers, nous ne pouvons pas aller à la réconciliation ni même à l'émergence. Parce qu'il y aura toujours des revendications. En tout cas, pour nous autres, il y aura des revendications. Donc, nous interpellons le président de la Centrale Ouattara, nous demandons de tiquer simplement et de faire en sorte que les choses avancent pour que le président Gbagbo soit libéré. Merci. Merci à vous, madame. Les officiers du gouvernement à la résidence sans attester de la teneur des réunions parce qu'ils n'y participaient pas. Cela ne prouve donc toujours rien. P46 évoque une réunion alléguée tenue en présence de Laurent Gbagbo où ce dernier aurait abordé la situation de manière très générale. Lorsqu'il lui est demandé s'il recevait des instructions sur la stratégie, le témoin répond que non, Laurent Gbagbo n'est pas un stratège, c'est nous les militaires. Un homme de guerre. Et sous-entendant qu'il parlerait d'Alassane Ouattara comme... Ce n'est pas un procédé que l'on attend d'un procureur de la France de la République. Divulgué par le procureur de ce discours, on le point au bon endroit. Et que dire?
Je suis Yavo Martial, membre de la direction du COGEP, le parti de Charles Deboudé, l'ex-ministre du président Laurent Gbagbo. Nous sommes venus aujourd'hui pour écouter la vérité. Nous sommes à cette messe de la vérité parce que nous avons entendu les horreurs de l'accusation. Et ce soir, ce matin, nous avons été édifiés. Nous avons été édifiés parce que la vérité a été rétablie. Nous avons vécu des faits qui ont été tronqués. Aujourd'hui, ces faits ont été rétablis dans leur contexte. Et cela est important. Et la démonstration de la défense nous fait savoir que le plan commun qui, en réalité, est défendu par l'accusation était un plan commun qui a été mis en place par cette même accusation, c'est-à-dire le pouvoir Ouattara. C'est ce pouvoir qui a mis ce plan commun en place pour exterminer les Ivoiriens afin de pouvoir prendre la Côte d'Ivoire et le mettre à la disposition de la France-Afrique, à la disposition de l'Occident. Cela vient d'être dévoilé. Et c'est pour ça que nous disons que nous sommes sereins. Le président Laurent Gbagbo reviendra ici. Charles Deboudé reviendra ici. Et ici encore, au siège du COGEP, nous serons là demain. Parce que Charles Deboudé aura la parole pour dire sa part de vérité. Et nous le connaissons, c'est un monsieur, un jeune qui a un langage franc. Et qui dira ce qui s'est passé clairement. Mais nous sommes désolés que Bensouda ne puisse pas avoir le temps pour écouter cela. Et cela nous désole. Et c'est pour ça que nous disons, oh honte, que la vérité soit. Oh honte. Merci.